Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ici même? Après ta mort, c'est de ton vivant.
Au moment où tu es vivant, au moment où tu m'écoutes en ce moment, c'est en ce moment que tu vas choisir ta destination après la mort. Je sais que beaucoup de vous, vous êtes venus nombreux à ce programme. Mais à la fin de ce programme, c'est à la fin de ce programme que nous serons réellement ceux qui veulent adorer Jésus ou ceux qui sont venus seulement danser. Ce sont ceux qui veulent adorer vraiment Jésus. Ceux qui veulent adorer réellement Jésus. Et si Jésus leur demande quelque chose de difficile, même si c'est difficile, et que c'est Jésus qui leur dit de faire, qui sont ceux qui sont prêts à faire? Qui sont ceux qui sont prêts? Beaucoup ne sont pas prêts. Même si la chose est difficile, et Jésus te dit, mon fils, ma fille, tu vas laisser ça pour qu'on va aller au ciel. Qui sont ceux qui sont prêts? Acclamons pour Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus est merveilleux. Moi-même qui vous parle, j'étais dans la vie ignorante. J'étais dans le péché. Je vivais ma vie comme je voulais. Et je me disais aussi que je vais à l'église. Le dimanche, j'allais à l'église. Mais après le dimanche, je vivais ma vie comme je voulais. Je marchais dans l'ignorance totale. Et si j'étais mort dans cette vie-là, je serais en train de brûler en enfer. La grâce de Jésus-Christ, la miséricorde de Jésus-Christ m'a visité un jour où j'avais amené une prostituée dans une chambre de passage pour aller commettre l'impudicité avec. Et c'est comme ça, Jésus-Christ, dans la chambre de passage, frappé, m'a empêché de toucher à cette prostituée. Et c'est comme ça que mon histoire a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? J'ai amené la prostituée. Et quand je l'ai amené, je commençais pas à sentir des mots de femme. Je ne commençais pas à sentir des malaises. Et je suis allé dans le WC. Et dans le WC, je me sentais comme dans un four, dans un feu. Et je sentais très mal. Je transpirais partout sur mon corps. Et à l'intérieur, je sentais, j'entendais une voix qui parle à moi. Et la voix me dit, ce que tu es venu faire, ne le fais pas. Ce que tu es venu faire ici, ne le fais pas. J'ai fermé mon cœur. Je résistais. Le feu montait encore. Le feu montait. Arrivé à un moment, je suis sorti. Quand je suis sorti, la fille, elle était déjà couchée sur le lit. Et en ce moment, mon portable a sonné. J'ai décroché. Quand j'ai décroché, j'ai fini de parler. J'ai senti comme si on m'a électrocuté. Je ne savais pas ce qui se passait. La voix qui me parlait dans le WC, la voix est encore revenue. Mon fils, ce que tu es venu faire avec la prostituée, ne le fais pas. Je résistais encore. Et à un moment, j'ai commencé à regarder la prostituée qui était déjà couchée sur le lit. Quand je la regardais, elle ne ressemble plus à une femme devant moi. Mais elle ressemblait à un arbre. Comme si c'était un arbre qui était couché par terre. Et quand je regardais ses seins, c'est comme des feuilles mortes. Et je ne comprends pas
La foi me dit toujours. Quand tu es venu faire des choses, en ce moment, j'ai compris que il y a une foi surnaturelle qui me parle. C'est la foi de mon Créateur. Il ne veut pas que je commette le péché. Et j'ai dit à la fille, on va faire ce qu'on est venu. Et j'ai dit, habille-toi. Et maintenant, donne-moi mon argent. Je lui ai remis son argent. Et je lui ai dit, habille-toi. Elle s'est habillée. Elle m'a dit, là où tu m'as pris, tu vas me déposer. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On est descendu. Je l'ai mis sur ma moto. On a pris le chemin. Sur le chemin, allez là. La voix est encore revenue. Comment dit qu'elle est là? La voix me dit. Encore. Je viens de te délivrer de l'impudicité. Mais la fille que tu as pris là, elle est aussi ma fille. Donc tu vas lui parler de moi. J'ai dit comment? Comment je vais lui parler? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas quoi lui dire. Et j'ai résisté encore. Sur le chemin, la voix insistait. Arrivé un moment, la voix me dit, si tu ne lui parles pas de moi, je vais considérer que tu as couché avec. Quand j'ai entendu, j'ai pris peur. J'ai carré la moto. J'ai dit à la fille, excuse-moi pour toi. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé là-bas? Combien de clients t'ont amené dans une chambre? Qui t'ont payé l'argent, mais qui ne t'ont pas touché? Elle me regarde comme ça. Je lui ai dit, ma fille, moi, je suis chrétien. Mais j'ai honte. Dieu m'a empêché de te toucher. Parce que tous les dimanches j'allais à l'église. Voilà, je suis dans cette vie. Et aujourd'hui le Seigneur m'a béni. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais aussi Jésus? Elle a commencé à pleurer. Elle a dit oui. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, elle aussi elle va à l'église. Depuis combien de temps tu es dans cette position? Elle m'a dit, ça fait 4 ans. Ça m'a fait mal. Et j'ai continué à nous parler. Et elle m'a ouvert son cœur. Elle m'a dit vraiment, aujourd'hui j'ai vu que tu es comme un ange que Dieu m'a envoyé. Et elle m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais parler cette vie de prostitution. Elle m'a dit de la déposer à la maison. Je l'ai déposée à la maison. J'ai pris le chemin de retour. Sur le chemin de retour, la voix est encore revenue. La voix m'a dit, tout ce qui s'est passé, arrivé à la maison, tu dois tout confesser à ta femme. J'ai dit, hey, hey. J'ai dit, hey, ma femme va me tuer. La voix insiste. C'est la voix de Dieu te parle. C'est comme tonnerre. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas te reposer. Quand la voix de Dieu te dit de faire quelque chose, tu ne peux pas résister. Je te dis, je me forçais pour résister. Et je ne peux plus me reposer. Pendant au moins une semaine, la voix me trouvait. Parce que je n'ai plus de force. J'ai prié. C'est toi qui me parles. Je ne veux pas que mon foyer se détruit. S'il m'a envoyé ici, je vous dis une seule chose. Il a dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qui est prêt à garder ses commandements ici? Alléluia. Alléluia. Il sait que vous l'aimez. Lui, Jésus. Allez, Jésus. Il sait que vous l'aimez. Maintenant, ce que vous allez faire pour démontrer que vous l'aimez là, c'est d'écouter sa parole. Vous allez écouter sa parole. Si tu dis de déposer ça, tu déposes.
Si tu te dis d'enlever ça, tu enlèves. Si tu te dis de brûler ça, tu vas brûler. Si tu te dis de garder ça, tu vas garder. Qui est prêt à le faire? Alléluia. Alléluia. Père de Dieu, je sais que beaucoup allaient à l'église. Peut-être avant de connaître le groupe Jésus. Mais on ne vous parlait pas assez. De comment faire pour aller au ciel. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Tout ce que tu vas faire sur cette terre. C'est vanité des vanités. Ça ne peut pas te sauver. La seule chose qui peut te sauver, c'est la marche dans la crainte de Dieu. On n'enseigne pas trop cela dans les églises. Et c'est pour ça la seule mission que nous avons accomplie. Partout où nous allons, c'est de prêcher la vérité. C'est de demander aux âmes d'abandonner la vie du péché. Et ceux qui l'acceptent, le Seigneur écrit leur nom dans le livre de vie au ciel. Et c'est les choses sur lesquelles nous allons travailler. Donc vous comprenez comment le Seigneur Jésus veut vous voir. Regardez là où vous êtes, très très loin. Si vous vous adorez Jésus ici, et vous ratez le ciel, ce serait dommage. Jésus ne veut pas que vous ratez le ciel. L'objectif pour lequel Jésus a versé son sang, c'est pour vous amener au ciel. Alléluia. Donc c'est pour ça. Tout ce que nous faisons à Jésus-Christ, nous ne parlons que du royaume des cieux. Nous ne parlons pas trop des prospérités, des voyages. Parce que Jésus a dit dans sa parole. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Si vos regards sont tournés vers le ciel, Jésus, lui, il va vous donner ce qu'il vous faut, ce qu'il vous manque. Mais si vos regards sont sur les choses de la terre, vous allez pourrir derrière ces choses et vous allez tomber dans le piège de l'ennemi. Donc vous devez vraiment garder votre foi sur Jésus. Et quand tu seras en train de suivre ces éléments, il faut que ça soit comme un miroir pour que tu te regardes dedans. Là, tu te poses la question, est-ce que moi-même je ne suis pas comme ça? Si on montre quelque chose que tu vois que ah, ça c'est dans ma vie, tu dois commencer à parler à Jésus dans ton cœur. Pour commencer, si quelque chose que tu dois abandonner, tout ça, il ne faut même pas dire je vais aller t'avoir la maison. Si il y a quelqu'un ici, que tu ne salues plus il y a longtemps, et Jésus te dit, il faut que tu le pardonnes. Il ne faut pas aller t'avoir la maison. Parce que sur le chemin, Satan va te parler. On dit non, tu ne veux pas entendre ce mot. Si tu te lèves tout de suite, allez voir celui que tu ne salues pas. Et tu lui tends la main. Pour dire, pasteur, mon frère, je te pardonne. Pardonne-moi aussi. Nous voulons aller au ciel. C'est fini. En même temps, le Seigneur va effacer son nom du temps du livre de la mort. Et il va écrire ton nom dans le livre. Alléluia. Amen. Nous allons vous montrer. Qu'est-ce qui se passe quand l'homme
vis sur la terre et va quitter cette terre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque part. Ce que vous voyez, c'est le carrefour de l'au-delà. Amen. Ok. Amen. Amen. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois femme, que tu sois homme, qui que tu sois, que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois n'importe qui, même si tu es le plus grand, le plus géant de Caleta. Tu vas savoir que un jour tu vas quitter ton corps, et quand tu vas quitter ton corps, tu vas te retrouver à ce carrefour. Et regardez bien ce carrefour, il y a deux flèches, une flèche qui va à droite. Et il y a un bras qui est là, un ange de Dieu. Une flèche qui va à gauche. Et il y a un personnage noir qui est là. Et lui, c'est un agent du diable. Allez bien à ce carrefour. Personne ne va te forcer à prendre X et tel chemin, tel chemin. Le chemin que tu vas emprunter, c'est déjà sur toi avant ta mort. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, avant de mourir, dès qu'il vient à cet endroit, directement c'est à gauche. C'est ce que vous êtes en train de voir là. Regardez très bien. Regardez cette femme. Quand vous voyez cette femme, elle ressemble à quoi? Qui va me dire? Elle ressemble à qui? Elle ressemble à qui? Prostituée. Comment vous avez su ce que c'est prostituée? Son habillement. Donc l'habillement peut vous identifier à une prostituée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord que ton habillement peut t'identifier à une prostituée? Donc si nous comprenons très bien, cette femme s'est exactement habillée comme prostituée. Et elle est morte dans les habits de prostitution. Donc ça veut dire que toute sa vie, elle ne s'est pas repentie de la prostitution avant sa mort. Et demain il faut savoir l'habit que tu portes là,
habite. C'est exactement comme ça que ton âme aussi s'habille. La manière dont tu te coiffes, c'est de cette manière que ton corps spirituel se coiffe aussi. La manière dont tu t'habilles, tout ce que tu passes sur ton corps, c'est comme ça que ton âme aussi s'habille. Si tu bois de l'alcool et tu saoules, ma fille, toi, oui, parce que toi, tu vas pas la laisser. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas. C'est vrai ça. Tu es sûr que tu n'as pas cette mini-jupe là? Il a quoi? Elle est ici pour l'état là? Tu n'as pas ça? Attends, pour toi. Tu as ça? Tu as ça? Maintenant, tu dis que elle ne peut pas entrer au ciel. Comment tu vas faire? Bon, acclamer Jésus pour sa vie. Voilà, c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Allez, tout ce qu'il y a dans ta vie, ici, tout ce que tu faisais hier, jusqu'à aujourd'hui, là, Dieu il est prêt à effacer tout. Alléluia. Attends. Jésus là, Jésus dit, tout ce que tu as fait, depuis ta naissance, jusqu'au moment où tu as fait dans ces choses, Jésus veut seulement que tu aies l'esprit de repentance. Quand tu reconnais tout ce que tu faisais, c'est bon. Et quand tu te repens, et lui, il va effacer tout ça. Mais si tu attends tout ça, et tu dis, et tu fais comme ça, je ne sais pas quand est-ce que tu feras un jour au moment où je vous parle là, il y a beaucoup qui sont en train de mourir et quand ils vont mourir, ils vont se retrouver là. Mais si toi tu te répands, Jésus va encore prolonger et il va te donner le temps pour que tu puisses tout changer. Donc il faut disposer ton cœur. Il ne faut pas fermer ton cœur. Quand tu vas voir ces choses, il ne faut pas t'effacer contre Dieu. Mais ça, c'était là. Le cœur est attaché à certaines choses. Et quand Dieu leur demande d'abandonner, ils sont fâchés contre Dieu. Est-ce que l'homme peut se fâcher contre Dieu? Est-ce que l'homme peut se fâcher contre Dieu? Alléluia. Amen. Donc tout ce que tu vas apprendre ce soir, même si c'est qui est sur toi, et le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, je ne fais pas ça pour toi. Dis seulement merci, Seigneur. Parce que si tu te laisses là, tu meurs. Tu vas te retrouver. C'est la vérité. Suivez très bien. Attention. Tu vas couler de l'eau. Regardez très bien. Elle a porté une mini-jupe. Donc toi qui es ici. Et tu as aussi une mini-jupe. Je te demande pardon. Mais y'a pas. Toutes les fois. Et un au froid ici, jusqu'ici, quand tu es comme prostituée, parce que ton corps est sacré. Tu ne peux pas exposer ton corps. Tu ne peux pas exposer ta nudité. Regardez, c'est là par exemple. Si son portable tombe et elle veut prendre ça, qu'est-ce qui va se passer? Ma fille,
Si son portable tombe et elle te prend ça, qu'est-ce qui va se passer? Les temps portables, les divins, t'as vu le blanc. Hein? Elle me fait comme ça. Elle va faire photo phare. Donc c'est très important. Regardez son habit. L'habit a montré une partie de sa de son bras. Les habits ceci. J'ai vu certains ici. Si tu as tes habits là, une habit tu as porté et on a coupé ici. Voilà, la corde ici, la corde ici, mais on a coupé ici. Et ici là, ton bras ici là est dehors. Et ici est caché. Qui a ça ici? Qui a de tels habits ici? Qui a de tels habits ici? Les habits ici dehors. Qui a ça? Ah, ma fille, tu as ça. Où ça là? Est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu promets à Jésus que tu vas changer? Acclamez Jésus pour sa vie. Donc, tu es prêt là. C'est pas tu as dit seulement. Tu allèges sur le terrain. Et va faire ici. C'est fini, non? Acclamez Jésus pour sa vie. Alléluia. Tous ceux qui ont mini chou. T'es demain là. Fini, faut parler. Il va à Jenny. Je vous dis. Ma femme. Quelqu'un est fâché. Quelqu'un est fâché contre Dieu. Il a dit si. Ma fille, tu es fâché contre Dieu. Tu es fâché contre Jésus. Est-ce que tu vas prier? Demandez-lui. Hein? Tu m'écoutes? Tu vas prier? Hein? Hein? Et tu quoi? À quoi dit? Est-ce que tu es sûr que tu vas brûler? Il est un peu blanc, tu vois. Acclamez Jésus pour ça. Amen. Toutes les filles qui s'habillent en mini jupes. Devant Dieu, c'est habit de prostitution. C'est habit de prostitution. Je vous le dis. Toutes les fois que vous habillez en mini jupe, pour montrer votre cuisse, c'est quand vous êtes en train de faire publicité à votre corps. Mais si tu fais publicité à ton corps, alors que c'est pas tomate. Ton corps, est-ce que c'est tomate? Alléluia. Même si tu caches ton corps, Jésus va te donner un bon mari. Mais si tu t'appelles habillé comme prostituée, tu vas trouver les hommes faciles. Ils vont coucher avec toi. Quand tu vas tomber enceinte, ils vont te dire que ce n'est pas lui seul. Il va te dire que ce n'est pas lui seul. Alléluia. Amen. Mais c'est pas lui, c'est pas lui. Tu es prostitué, lui aussi l'a fait. Mais si tu couvres ton corps, l'homme qui fait s'approcher de toi, il va s'approcher de toi avec respect. Et il ne va pas chercher à coucher avec toi directement. Il va chercher à aller connaître tes parents. Pour demander ta main à tes et payer ta tante avant de te marier. Alléluia. Donc, attention. Dis-moi si tu mourrais ce soir, diras-tu adieu?
On va te montrer ça. Donc lui, on est en train de lui montrer
Le fil de sa vie. Attends, c'est un mieux c'est comme dans un rêve. C'est comme s'il est en train de rêver. Oh, ce n'est pas rêve. C'est le film de sa vie. Regardez très bien. On est en train de lui montrer. Le temps qui passe dans les bars. Oh, de la bière et boit de l'alcool. On est en train de nous montrer cela. Il a là. Regardez. On est en train de nous montrer le temps qu'il amène les prostituées dans son de passage. Et laisse sa femme à la maison. Et voit ses prostituées. Atala. Et sa femme a fait le suprême. Atala, et sa femme a Atala. Chifflé l'autre. On est en train de lui montrer Obayala. Le temps qu'il passe Atala. À aller jouer dans le ghetto. Les jeux. Atala, on est en train de lui montrer Obayala. Les wanis bêtes. Oh, tous ces gens qui jouent. On est en train de lui montrer Obayala. Ça. On finit de lui montrer là, qu'est-ce qui va se passer. Il va rendre l'âme. Il va donner son dernier soupir. Voilà. Ça, c'est la fin. C'est la fin de sa vie. Et ce n'est pas la fin des choses. C'est que il a fini sa mission sur la terre. Il a fini son travail sur la terre. En ce moment, tout ce qu'il est, c'est fini. Il a rendu l'âme. Et en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Voilà que l'âme ne meurt pas. Ce que Dieu a mis en lui. Qu'on appelle âme de mère parce que l'âme va maintenant sortir de son corps. Regardez, il va sortir comme qu'il est sorti d'un sac. Regardez très bien. Regardez, il s'est levé, mais son corps est encore sur le lit. Regardez très bien. Vous allez voir son corps. Voilà. Voilà son corps qui est couché sur le lit. Et lui-même, il est encore debout. Donc il est devenu deux. En ce moment, lui-même ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il va voir qu'il est debout. Mais il voit encore qu'il est couché sur le lit. Il suppose, mais qu'est-ce qui se passe? En ce moment, si sa femme était à côté de lui, au moment où il mourait, il va voir sa femme. Et sa femme va commencer à pleurer. Oh, maman, il est mort. Oh, secours. Aidez-moi. Mais lui, il voit lui qu'il n'est pas mort. Parce qu'il se sent lui. Il voit sa chambre. Il voit sa télé. Il voit tout. Il voit même son portable. Mais je ne suis pas mort. Mais sur la terre, mais, sa femme voit son corps. Mais sa femme ne voit pas son âme. Donc sa femme voit le corps et la femme voit son âme. Mais lui va s'approcher de sa femme. Mais me voici. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Calme-toi. Quand il va vouloir accrocher sa femme comme ça, il va attraper le feu. Qu'est-ce qui se passe? Quand il va vouloir prendre son portable, il va attraper le feu. Qu'est-ce
Tout ce qu'il veut toucher, il va attraper le vent. C'est en ce moment. Il nous voit par lui dire, fils de l'homme, tu es mort. Tu es mort. Tu as déjà laissé tes enfants sur terre. Maintenant, on va aller. Donc c'est en ce moment. Si c'est quelqu'un qui a donné déjà ça, le Seigneur va envoyer des anges pour venir le chercher. Et que c'est là-bas Jésus. Et qui a passé sa vie dans tous les désordres. Jusqu'à sa mort, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Aussitôt, le diable qui envoie des démons va, ils vont le saisir. Indirectement, ils vont l'amener en enfer. Voilà. Regardez là où il s'est retrouvé. Regardez comment les gens sont alliés sur le chemin de l'enfer. Regardez très bien. Je salue tous ceux qui sont en train de dormir. Minoubes, nous n'avons pas au fond.
Ceux qui sont en train de dormir, ils n'ont qu'à crier Alléluia. Alléluia. Je vous dis, si tu donnes devant ces choses, c'est comme si toi-même tu es déjà cadavre. Est-ce que quelqu'un peut dormir devant ça? En train d'écouter les chants qu'il n'a jamais entendus. Alors que devant les feuilletons, tu ne dors pas. Quand tu es devant et télé de football, tu ne dors pas. Mais quand tu es devant les choses qui nourrissent ton âme, les choses de Jésus, là, tu dors. Tu es comment? Et vous la faites bien. Alléluia. Tombe ton nom. Alléluia. Tombe ton nom. Est-ce qu'on peut continuer? On va se retourner un peu. On va continuer bien, on n'a pas arrêté. On va retourner au moment là. Acclame pour Jésus. Amen. Bien pour la Jésus. Alléluia. Tombe ton nom. Alléluia. Tombe ton nom. Ceux qui ont des pensées impures. Des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Ils sont imbus de leur propre pensée. Ils ne craignent pas Dieu. Les gens de Dieu, ils s'en foutent. En enfer, c'est comme ça les vers. Mais, ce que tu vois sur leur tête là, c'est des gros verres qui les rongent comme ça. Le bon, ils ceux qui vivent dans la cigarette, les fumeurs, voilà leur sang en enfer. Tous ceux qui fument ont d'abord l'esprit de serpent. C'est l'esprit de serpent qui donne l'envie de fumer. Que ça soit la cigarette. Que ça soit la drogue, le tabac. Même les femmes qui mangent les calabas. C'est le même esprit. C'est l'esprit là qui réclame ça dans le corps. Et quand ils meurent dans ça, ils vont rester dans la carte de cet esprit là en enfer. Et l'esprit là envoie son venin pour les ronger. Donc, si tu es ici et tu es encore à cigarette, accro à la drogue, je ne sais pas si quelqu'un a fumé trop presque moi ici, mais Jésus m'a délivré. Donc si tu es accro à ces choses là, même une petite cigarette, quand tu mets ta table comme ça et tu fais ton âme en enfer. Je te demande de pardon. Jésus veut que cette nuit-là, quelqu'un prend la décision d'abandonner la cigarette. Je te dis, qui est prêt à abandonner? Qui est prêt à abandonner? Qui est prêt à abandonner? On va gérer doucement. Attends, ne viens pas d'abord. On va gérer doucement. Jésus t'aime beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Acclamez Jésus pour sa vie. Qui est aussi prêt à abandonner la cigarette et la drogue? La cigarette, la drogue. Acclamez Jésus pour sa vie. Qui est aussi prêt? Ça va être deux personnes. Qui est aussi prêt? Acclamez Jésus pour sa vie. Je vous le dis en vérité, en vérité. Regardez vous-même. La cigarette, là, posez-vous une seule question. Il y a quel goût dedans? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est mielleux? Ça a quel goût?
Mais les gens peuvent fumer 4 paquets en un jour. C'est parce qu'il y a une personne qui est là. Qui est logé dans son corps. Et l'esprit veut ça, l'esprit aime ça. Voyez comment les gens sont en train d'être projetés en enfer. Dans ce moment-là. Voyez très bien. Regardez très bien. Regardez très bien. Regardez très bien. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. La prière n'a pas fini. La prière n'a pas fini. Demain. C'est demain la prière. C'est demain la prière.